Yo tout le monde, c'est Elec, j'espère que vous allez bien, je commence à super. Aujourd'hui on se trouve sur une nouvelle vidéo, une gamer classée sur Rainbow Six Siege. Est-ce que j'ai fait du sol? Je pense. Allez, à la fin de la vidéo. Ok, on est sur base d'Air Force. Pas mal, la nouvelle. Alors, on est en défense. Un petit Jaeger à la base. Alors, c'est parti. On met tous les Jaeger, les barbelés. Mais pas les renforts. Oh, on met presque tout là. Bref. Alors. Faut pas oublier le petit rook au passage. Tac, le drone il se casse pas. Ok, là il y a le scout sur moi. Il y a le drone tout sur moi aussi. C'est dans la merde. J'ai été repéré en plus. Donc là je suis vraiment plus dans, encore plus dans la merde. Boum. Alors. Ok, je l'ai pas mis de tête. Ça va. Là, il rush. Un petit peu. Alors par contre, voilà. J'allais dire que ça c'était... C'est même pas une tête, les amis. C'était pas une tête. Mais je l'ai quand même tué, mais c'était pas une tête. Bon, bref. J'ai pas trop compris au passage. Alors. Boum, ça rush. J'ai pas eu de shoot. Bon, vous voyez, c'est dommage, j'en ai eu aucun des deux. C'est très dommage parce que j'aurais pu faire 2 kills en plus et c'est pas mal. Ça aurait été vraiment bien même, 2 kills en plus. Ouais. Alors, là, on arrive. Alors, ça se prend kill. Bon, il est pas dangereux, il a bien raison. En même temps, il était trop à prendre la ligne, là. Par contre, lui, ouais, quand il est sorti au balcon, là il m'a fait un petit peu mal quand même. Enfin, il m'a enlevé la moitié de ma vie. Mais c'est pas pour ça que c'est demain, je vais faire du sale. Alors, d'ailleurs, je tiens à préciser que cette game c'est ma meilleure game en solo classé. Quand je jouais seul, genre ça pas avec des amis ou quoi, en classé, c'est ma meilleure. Et vous allez voir sur cette manche. Allez, bon visionnage. Alors là, je lance une flash. La ligne est touchée malheureusement, ça n'a fait que 3 de dégâts, un truc comme ça, donc ça va. Alors, là, le drone tech, tu m'as fait peur. Alors, j'arrive là, bam, premier kill, blessure, je l'élimine. J'envoie une flash, bam, je rush, manque un peu de tempo sur la flash. Alors, donc là, je prends la ligne et tout, je vois personne. Je temporise un petit peu. Alors, il y a un allié qui s'est fait tuer par son propre allié. Il y a deux alliés qui sont morts. Donc on est deux à mourir. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un en bas avec le lion. Donc ça me donne une info, c'est cool. Alors. Et là, il y a quelqu'un d'autre derrière aussi. Je lui mets un petit turn. Assez sympathique. Là, je fais la moins 2 en quelques instants. C'était beau à voir. Alors. Là, je sais qu'il y a quelqu'un droit, je l'ai attendu, boum, la grosse tête qui passe. Allez, c'est du 2v2, j'ai fait 3 kills. Mon allié se fait prendre par un frost. Et Maestro le finit avec sa tourelle. Donc je suis en 1v2 et j'ai déjà fait 3 kills. Alors, est-ce que je vais arriver à tuer les deux et faire la full team? C'est ce qu'on va voir. Boum. Là. Genre ça, c'était pas une tête. Bon, bref. Donc là, je vois qu'il est là-bas. Bon, ce brain... Ouais, on peut pas tous appeler les possibles, c'est sûr. Donc après là, je rush, donc j'ai fait la 4 kills. Si je fais encore une, j'aurais fait la full. Alors là, en plus, je sais pas trop où il est le dernier, j'ai pas trop le temps de droner puisqu'il reste 30 secondes. Donc j'y vais, ça passe pas. Il était derrière, j'ai eu de la chance qu'il m'a pas tiré dessus avant. Donc j'avais une flash pour pouvoir poser. Au moins, ici, les flashs, il peut pas me rusher. Même si c'était un peu dangereux, c'était le plus dangereux, on va dire. Et là. Regardez, encore un petit brain, bah oui, encore un petit brain. Tac. Et là, le mec, il va rien comprendre à sa vie. Voilà. Alors, la petite full team, les gars, vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez bien aimé. Avec les petits brains, les petites grosses têtes qui passent. Ah, c'était pas mal, c'était pas mal. Allez, on enchaîne tout de suite. Pause. Je m'excuse pour la séquence qui va suivre. Il y avait un gros écho, je sais pas trop pourquoi. Et je pouvais pas l'enlever au montage.
Donc, je m'excuse, il y aura un écho dans la séquence suivante. Allez, play. Mais arrête de me couper, toi! Oh, il est pas bien, lui. Bon, alors, oui, que, bah, du coup, bah, il va y avoir un écho, donc je m'en excuse. Alors, surtout quand je vais courir, vous allez voir, vous allez péter un câble. Là. Oui, c'est bizarre. D'accord. Bon, alors. Donc là, je vais tenter un petit spawn kill, alors que je connais pas du tout la map. J'ai fait une full team sur une map que je connais pas et tout. Enfin, bref. Enfin, je la connais un petit peu. Je connais plus le... En fait, je connais que le haut. Donc, voilà. Et encore pas énormément. Donc là, j'arrive, je temporise un petit peu, faut bien. Bon, là, vous voyez que je connais pas la map, j'ai visé là, alors que si j'avais connu la map, j'aurais bien su qu'il n'y avait pas de porte, de couloir ou de fenêtre, enfin bref. Donc là, alors, il y a personne dans le couloir. Peut-être qu'il y a quelqu'un là. Oui, ça drone, il y a quelqu'un là. Je me décale pour y aller, j'esquive le travers. J'ai bien raison. Alors, il y a un sondage en haut à droite, si vous pensez que c'était une tête ou pas. Bon, voilà quoi. Bon. Pour moi, c'était une tête, mais je vous laisse répondre avec le i en haut à droite, comme dit précédemment. Allez, C4, il passe pas, je suis un peu deg, mais je sais pas trop où il est parti, franchement. Je me suis dit, oh ouais, si j'ai ce C4 là et tout, c'est un trop bon move. Mais c'est pas passé. Là, je décide de rusher parce que j'en ai marre. Ça se termine en pas de shoot avec une tête, tout simplement. J'allais dire grosse tête, mais non. Bon, là, accélérer parce que c'est très 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 long. Donc, moi, je me dis, ouais, il y a quelqu'un qui va chercher les diffuses et tout quand même. Tu vois, donc c'est pour ça que je temporise. Mais. À personne qui a l'air de venir quoi. Donc j'attends, oui c'est très long quand même. Il y a personne qui vient, sachant que c'est un accéléré x2. Alors, il y a toujours personne, personne. Bah, je voulais pas vous mettre de coupure pour que vraiment, voyez. Voilà, toujours personne. Il ne reste plus qu'une personne, j'ai essayé de la ressortir au cas où il est encore dehors. Mais au final, il était dans le bâtiment là où je tirais. Vous voyez, ici dans le garage. Donc la manche en défense, ça va, c'est plutôt bien passé. Ça va. Alors, je fais du 7-0, je fais du 7 kills à 0, donc ouais, c'est pas dégueu. 0 mort pour 7 kills, c'est vraiment pas dégueu. Donc là, je reprends H. Je vérifie le spawn kill tout à l'heure, bon, il aurait été con s'il aurait fait le même. Ne jamais refaire deux spawn kills dans la même game. Jamais, grosse erreur. Parce qu'il s'y attend au prix. C'est une grosse, grosse erreur. Et aussi quand vous piquez un spawn kill d'être trop gourmand, on va dire ça comme ça. Et de piquer après, là, vous mourrez. Parce qu'ils ont tous la ligne sur vous et tout, c'est mort. Laisse tomber. Alors, donc là, je décide de faire la même que tout à l'heure. Voilà, j'aurais pas trop. J'ai pas trop aimé quand il a pété, mais bon, je me suis dit que c'était pas grave. Surtout que là, j'entends quelqu'un qui est en faux, donc j'essaie de vite fait prendre la ligne. Le drone Twitch finalement qui me déconcentre. La Valkyrie qui rate ses balles et qui tire 20 ans après, vu les réflexes. Donc là, je profite de sa flash pour essayer de temporiser. Je regarde s'il n'y a pas quelqu'un à droite, comme d'hab. Alors là, un trou, il y a là et là, mais malheureusement, j'arrive pas à le mettre une tête. Et je tirais pas en auto parce que sinon, l'arme serait trop levée haut. Donc je pouvais pas faire un jeu, on va dire. Enfin, si, mais. Donc là, je fais des accroupis debout pour essayer d'esquiver les balles au maximum. Je décide de lancer une flash en haut. Je sais pas trop pourquoi je flash, mais j'arrive à casser la cam pendant que je flash. C'était beau, ça, je m'en aimais. On voit la Ella qui rush, bam. Je pré-shot, mais elle était pas là. Pourtant, en plus, j'aurais mis une grosse T. Je vois qu'il y a un frost en bas. Je décide de le détruire parce que je sais que je vais me le prendre. Alors, je fais des petits tirs pour essayer de la faire venir. Voilà, je recharge. Alors là, je sais pas trop quoi faire parce que je suis un peu bloqué. Je lance une flash, je vois qu'il y a une Kambalki. Mais au final, là, j'étais un peu con. J'ai lancé une flash et je me suis... j'ai même pas rushé. Enfin, une flash qui servait à rien quoi. Alors, surtout que les flashs c'est ultra fort en vrai. En fait, là, j'attendais qu'il y a quelqu'un qui me pulse de là, mais je sais pas, il y avait personne et en plus, il y avait même pas de pulse en face. Là, je décide de retourner ici et regardez, je vais esquiver toutes les balles. Regardez les traînées des balles où elles étaient. Oh, c'était pas magnifique ça. D'ailleurs, si vous êtes resté jusqu'à ici, hashtag traînée dans les commentaires. Hashtag traînée. C'est pour voir ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo quasiment. Allez, j'espère qu'il y aura beaucoup de hashtag traînée dans les commentaires. Boum, grosse sauté. Je te punis.
J'étais plus riche. C'est drôle. Je profite de la flèche pour rusher. Là et là. Boum. Ça passe crème. Et là. Je meurs. Et on gagne. Je meurs à la dernière manche avec 9 kills et une mort. Je suis mort une fois. Je suis dégoûté d'être mort. J'aurais voulu faire une game 9 kills sans mourir et tout. Ça aurait été beau. Mais là, non. Bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Ça encourage la chaîne. Merci à tous qui le feront. Ah, et je vais vous dire un truc aussi. Chut. Ciao.